בתרשים, הפלוטו, אני נותן לו כל הפעיל מנדיזה, בתגום במינותיה, יעני מה, אריקון, הכל תרשים, אני מה, אני נותת בו, נותת. לידו אמורה, אריה גוטה גורה, איזה די, מה שזרי, אני מה, תראי כמה אני אמור, שפירה גורה, אני אראה כמה, מה שזה סגאי, תקוע תעקע, תגום בקונגרה. בוקו, גוטה גורה, נושאים לבד, תצוינה מנותיה, אני אמורי כי גרי תגום בקונגרה, אבל תוזו, אגב, כזה, כאו, כבדיות, gutakaza minota ni mirongo umutoza yari yabasabye gukina gute ko twabonyemo kora block bo ha utazi ko aperi koresha impande muri iki gihugu yo wagerageje gufunga zira impande zabo tugakoresha ama contre attaque byaduhiriye turubatanga funi ko gutego twinjira mu mukino neza byadufashije cyane turashimye imana kuba tunganyije nabo nta gariki bi kandi twagerageje kumvisha kumva consigne z'umutoza watsinze igitego tubona uru celebrateur isaruti washaka guselebra gute ejo tango wewe butumwa bo nago ari umuhunda nitwa fandi mubaraka ni mwajinaga ho kwari hari ya umuntu twabanye cyane ni mpamvu nagerageje gutera sari ni umuntu munda cyane ni umuntu wanyubase numvaga ko naba hari nkimute nubwo nari bukira nikite wagiye kumusabira umutsinzi oya nago ari nko kumushinyagura no kumushimira mpaka mubaraka ni umubyeyi na utabizi nimajinaga ko ari hariya turanavugana ariko numvaga ari nk'indi kipe ngo itsinze byari kurushaho kuba byiza ariko gutsinda n'abaperi nabyo ntabwo agari bibi kuri njyewe hanyuma bagusimbuza twabonye usa nk'aho utishimye n'umutoza kamarade muvugana amagambo menshi niho mukora no mu kiganza byagenze bite ntabwo ari wishimiye gusohoka oya nta mukinnyi utasohoka nta mutava nta mukinnyi uri hejuru ya ekipe tuba turi tugomba kumvira umutoza ariko nagerageza ngo haracyari iminota yo gukina kumva yuko nakomeza gufasha ikipe yanjye kureba ko twacunga igitego twari twabonye niyo mpamvu ariko nta yindi mpamvu yo kuba nanze gusuhuza entraineur wanjye ntabwo bishoboka umwarimu wanjye ni umutoza wanjye ntabwo nshobora kwanga kumusuhuza numvaga hakiri iminota kandi ubwo ifite imbaraga zo kuba nafashe ikipe gucunga igitego twari twabonye ariko naje gusanga ari byo kuvoma atubwire se nanone yashyira igitego uburyo wagarutse wifunga umupira wari wawubonye aho uvuye tubwire senariyo ya kiriya gitego muri rusange n'ibyo watekereje umupira ukugeze umupira nashatse kuwutera rimwe ngo narwabwire yaje ndawufunga iyo ngutera rimwe mukagutwa atari akanya ndawufunga ngushyira ahantu nifuza kandi ngushyiramo ingufu kuko narebaga yasohotse byasabaga gushyiramo ingufu kandi nazikoresha byashaka gutera ishoti iyo ntera akantu kurasa ngashaka kuplasa byari wari bujye hanze ariko namanze kureba ndeba abanyeza abantu ukuntu bahagaze ntabwo ndatera ndaplasa hejuru ngushyiramo ingufu ntabwo wishimiye imisifurire ni iki wakoze ku byo waguye katojo ni benshi bazi ko wabonye kugenda ngo arebe ubundi ntizongera kuyibona ariko ntabwo ari icyatari no kubona ishobora kubona umusoro cyangwa yabonye ari byo hari reagisi itari nziza icyo gihe rero ari ubwitire n'ubujiji kuko yamuhaye ijoro n'indumva n'ubujiji bw'ubuvuzi nyinshi ikibazo gikomeye imisifurire yabaye myiza wabonaga impande zose ari byiza ari kuri aperi ari iwacu hose nta kibazo mu mubiri wawe koci tubwire perezida ntabaye hari yabaye wenda uri mu mukino utabonye ariko mbere y'umukino wabonye uri bajya mu mwanya n'ibintu biba bafite mu mukino hagati ya hari umuntu wajya sinzi n'amara kuza no kumutubwira ntibamubonye nawe wayabonye byagenze gute ko hari ibyiciro mu rwanda Chabarara ni umukinnyi waje aje gukinira Gicumbi kuva aka kanya yari aharimo umukinnyi ntabwo nta lisansi yabonye kubera wenda ibyangombwa bye byari bitarabona kuba yahohotewe icyo turaza kwiyambaza inzego zibishinzwe zifashe kuri Chabarara naho ibyo wabonye ubanje ijambo ngo narindi muri iriya ahubwo wenda uza gutunga mikoro uba wabonye igihe ntabwo ibyo mbizi wenyibereye muri kasitiye biriwe ni konsantire kuri maci ni abakinnyi babyitegeye bishoboka ko arimo ayindi bintu bishoboka waza gutunga nabonye gutunga abakinnyi mikoro naza gukibabaza ajya ku byanjye kwa rutoza ibyo bindi siriya
Sindi bufuka izina ejo bundi warebye match kuri regional nago nzi yarije ariko nago wabonye se ibindi ariko birushoboka kwitsina ngufi hari igicumbi umuntu ngo yasenze mu izamu abandi barasengera hanze abandi barasengera nako ibyo kuri igicumbi cyo kibazo wowe kujya subiza wowe kujya subiza ikibazo cy'abakinnyi banje performance zabo uburyo bitwaye uburyo twatsinze match uburyo twanganyije uburyo twatsinze naho ibindi byo hanze buri wese mujye mu mutunga mikoro wa mwabonye yakoze ibyo abashe kubabwira kuri icyo kibazo Kocha, ahabwe imikino itatu ngo faza rirangiye. Muri muri zone imwe muri cyane cyane kwa nyuma. Ni bari naza kuri iyi kwa gicu. Mu gihe iri umutoza wungirije ariko wahawe inshingano zo kuba mora nk'umutoza mukuru nzakora ibishoboka byose ngo gicumbi. Ni gihe nzaza hazaza umutoza mukuru nzakora contribution yanjye kugira ngo gicumbi n'imwe. Kandi nkurikije abakinnyi uburyo bari kumva tukabasha kubereka block dukeneye ku ikipe mu bakabasha kuyigerageza nabi gicumbi zamanuka kubera imwe. Urakoze mu On peut dire deux points perdus. On peut dire comme ça, c'est deux points perdus depuis le début de match, depuis qu'on a désigné que Appert joue avec Guichombi dans ce terrain-là. Parce qu'il est vraiment désolé de le dire, mais je vais être franc. On a une équipe de Appert qui contient 10 internationaux. On a besoin des conditions au minimum semi-professionnelles pour jouer un match. Une distance qui doit être respectée entre les joueurs et le public. Entre le joueur et le staff pour notre sécurité, un terrain très bon pour exercer le football, un vestiaire très bon pour expliquer aux joueurs, pour que les joueurs trouvent leur bonheur, leur tranquillité, leur intimité, une rentrée au stade qui mérite le statut du Rwanda League, hein? Mais jouer dans des conditions comme ça, c'est même pas les U17, U19. Ce n'est pas des conditions de jeu pour eux, ce n'est pas des conditions de compétition. Alors nous, on savait depuis le début que ça va être difficile. Les conditions vont être très difficiles. On s'est adapté, le terrain est trop petit pour qu'on joue notre jeu, pour déstabiliser bien notre adversaire. Mais je peux dire qu'à un point dans des conditions pareilles, c'est bon. Mais la plus grande dégât aujourd'hui, c'est la blessure d'un joueur très important. Ce qui me fait mal au cœur. Je perds le match, mais je ne perds pas un joueur. Aujourd'hui, je perds un joueur que je viens de récupérer. C'est un joueur... qui est considéré comme l'un des arrières centraux, l'un des meilleurs arrières centraux au Rwanda. Là, c'est le dégât du terrain, c'est pas pour moi seul, c'est mon public national. Aujourd'hui, je l'ai blessé. À cause de quoi? C'est pas à cause d'un contact, c'est à cause du l'état du terrain. Voilà. Comme ça, on ne peut pas dire que le coach de Appert est en train d'attaquer des gens. Non. Moi, je cherche à maintenir et à présenter une bonne image du football. Local. Il y avait le stade Nyamirambo, il y avait le stade Nyamirambo qui accueille tout le monde, qui est un bon stade, et qui est un stade digne pour montrer un vrai spectacle qui sera bénéfique pour les joueurs, pour le staff, pour le football, et pour les spectateurs, pour les dirigeants du club. C'est une équipe très motivée, vraiment très très motivée, très très motivée à l'intérieur et à l'extérieur, donc c'est ça très bien. Mais voilà, on est arrivé à déchiffrer le bloc équipe adverse. On est arrivé pas mal de fois au tiers défensif adverse. On n'a pas eu de réussite pour conclure les occasions qu'on a eues. C'est un bon exercice, c'est une très bonne leçon qui va nous rendre très forts et qui va enrichir le parcours de mes joueurs et le parcours de nous comme staff. Vous avez gassé en Afrique, hein? Vous avez quelque chose à se dire? Si je sais quelque chose, je le garde pour moi d'abord. Okay. Deuxièmement, Gasogi, c'est une équipe comme toutes les équipes. Et comme on dit à nos joueurs, le championnat rwandais, c'est un championnat très difficile. Et alors, on respecte toutes les équipes, on prépare pour toutes les équipes. On doit jouer bien et on doit chercher et jouer pour gagner et surtout pour ne pas perdre contre les équipes. Donc, coach, vu comment vous avez commencé les matchs, c'est contrairement aux autres matchs. Parce qu'on ne peut pas dire que les joueurs avaient l'excès de confiance comme ils vont jouer contre la dernière équipe. Non, il n'y a pas un excès de confiance. Il n'y a pas un excès de confiance. Mais moi, je vais vous dire une chose. Et c'est par expérience.
par le petit vécu que j'ai, toutes les équipes, costaud, des championnats, Calcio, Liga, Ligue 1, Maroc, Tunisie, toujours les champions, les équipes champions ou les équipes de haut classement, ils souffrent contre les derniers. Barcelone, Numancia, Juventus, Sassuolo, Paris Saint-Germain, Angers ou Paris Saint-Germain, Toulouse. C'est comme ça. On ne peut pas changer ça. Mais un point, pour nous, c'est satisfaisant dans les conditions qu'on a eues. Mais mes joueurs, c'est des joueurs professionnels, il n'y avait pas de relâchement. S'il y avait de relâchement, ils ne vont pas faire un match pareil comme ça. Ils ne vont pas retourner aux dernières minutes. La réponse, elle était aux dernières minutes. Au deuxième mi-temps, pendant tout le match, on a été moitié de terrain à fixe. Alors, il n'y avait pas un relâchement. L'adversaire, il est arrivé une fois au but, il a marqué. Après, c'est nous qu'on était dans la moitié de terrain à fixe. Merci beaucoup.